8,5 millions de mètres cubes d'eau, c'est la contenance habituelle du barrage d'Arun. L'étang du même nom est bien connu des randonneurs dans les Pyrénées ariégeoises. Depuis le mois dernier, l'ouvrage a été vidé pour sa grande vidange annuelle, une opération qui va permettre à la fois un diagnostic et une restauration complète de l'ouvrage. Laurent Witzbach, Pascal Dussol. Il est exploité depuis 1942. Avec ses 230 mètres de long sur 25 de haut, le barrage d'Arun permet d'ordinaire l'alimentation de la centrale hydroélectrique d'Ely pour une production équivalente à la consommation moyenne de 15 000 habitants. Régulièrement surveillé, le barrage est vidangé tous les 10 ans pour un examen technique complet. La particularité par rapport à ce que l'on fait habituellement, c'est de vidanger complètement la retenue et d'avoir accès à des parties qui habituellement sont sous l'eau. Donc ça nous permet justement de pouvoir juger de l'intégrité complète du barrage au niveau du parement amont, ce qui est en contact directement avec l'eau. Également au niveau de la galerie, qui est généralement en eau. Et donc cet examen technique complet me permet, moi aujourd'hui, en tout cas sur les premiers éléments que j'ai, d'être très confiant sur la sûreté de ce barrage. Entre mars et juin, une dizaine d'ouvriers habitués à travailler en altitude vont profiter de cette vidange décennale pour redonner un coup de jeune à l'ouvrage. Que ce soit pour reprendre le béton en crête du barrage ou pour s'assurer de son étanchéité. Le barrage, en fait, est un type poids, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs massifs, des plots béton, qui sont les uns à côté des autres. Et pour garantir l'étanchéité entre chacun de ces massifs béton, on pose une bande élastomère qui donc permet de garantir une parfaite étanchéité sur l'amont et de garantir la fonction de retenue de l'eau. Coût de ces travaux de maintenance, 800 000 euros. Le prix à payer pour assurer la sûreté d'un ouvrage situé à 1900 mètres d'altitude.